Bonjour, dans cette capsule aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil qui est disponible en ligne et qui s'appelle Bend Lab pour éducation. Donc cet outil-là, évidemment, peut servir à faire de la musique, mais elle peut servir également à enregistrer des podcasts avec les élèves. Donc c'est important d'utiliser vraiment la version éducation. Donc on se rend à edu.bendlab.com et on arrive sur cette interface-ci. Donc, c'est important là, parce qu'il existe aussi BendLab qui n'est pas pour l'éducation et n'a pas les mêmes fonctionnalités là, pour suivre nos élèves. On y a accès là, par ici individuel. Donc, BendLab pour l'éducation est gratuit et c'est là que ça nous permet vraiment de faire un suivi des projets de nos élèves. Donc, il peut être utilisé en musique, comme je vous disais, mais c'est un excellent outil également pour produire des podcasts et c'est disponible. Donc, c'est un site, donc on peut y accéder à partir de n'importe quel furteur et c'est disponible dans ce cas-là sur n'importe quel outil. Donc, quand on arrive sur l'interface, je vais vous montrer tout d'abord comment l'utiliser comme enseignant. Donc, on démarre comme enseignant. Et ensuite, on a la possibilité là, de se connecter facilement avec le compte Google. Donc, moi, j'ai déjà fait là, la manipulation. Je vais, donc, vous voyez, là, il va y avoir les étapes de se choisir un nom d'usager que vous ne verrez pas aujourd'hui dans ma démonstration. Donc, je me connecte avec mon compte Google, csdcou.net. Et là, j'arrive dans l'interface. Donc, vous, quand ça va être la première fois que vous allez arriver, on va vous demander, une fois que vous allez avoir choisi votre nom d'usager, on va vous demander de vous créer une école. Donc, l'école, c'est qu'il peut avoir plusieurs enseignants. Donc, vous pouvez créer une école, le nom de votre école, en fait. Donc, moi, ici, j'ai mis Récit CSS Découvreur, mais vous pouvez, donc, c'est ce que vous allez voir. Donc, le nom de l'école, école sans nom. Et là, c'est pas nécessaire d'inscrire l'adresse et le numéro de téléphone, là. Et ensuite, on fait enregistrer. Donc, vous voyez ici, j'ai une école sans nom et dans l'école sans nom, c'est là qu'on va créer des groupes. Donc, votre groupe là, comme enseignant, par exemple, groupe 501, groupe 502, c'est ici qu'on va venir les créer. Donc, une fois qu'on a créé l'école, on peut inviter différents enseignants là, à joindre cette école-là. Donc, on fait inviter à l'école et vous pouvez venir ici partager ce lien-là à des enseignants ou vous pouvez venir placer là, tout simplement leur adresse courriel ici. Donc ça, c'est pour inviter dans notre école sans nom. Mais là, ce qui nous intéresse ici, c'est de créer votre classe à vous. Donc, par exemple, on va faire groupe 501 et vous pouvez donner une description là, de votre groupe et on fait enregistrer. Donc, voilà, ici, une fois que vous avez votre groupe, vous pouvez venir le personnaliser, évidemment. Là, vous pouvez placer une photo de profil. Donc, ça, c'est des options là, que vous pouvez faire. Et ensuite, vous pouvez ajouter des enseignants. Donc, si c'est des enseignants qui sont dans un même groupe que vous, et vous pouvez ajouter des élèves. Donc, pour vous ajouter vos élèves, c'est le code que vous devez leur donner. Donc, pour qu'ils puissent, eux, se connecter en tant qu'élèves. Donc, ils n'ont pas toutes la même démarche à faire là, quand ils se connectent. Là, tout simplement, eux autres se connectent comme élèves et ils vont avoir à inscrire le code qui est indiqué ici. Vous pouvez le copier et le placer dans Classroom. Donc, c'est à ce moment-là, ils vont cliquer dessus. Ils auront pour la première fois à se créer leur compte. Donc, se connecter avec leur compte csdcou.net. Vous pouvez les ajouter là, si jamais vous avez une liste d'élèves, puis vous avez déjà leur adresse courriel csdcou.net. Vous pouvez venir la coller là. Donc, à votre guise. Et là, vous pouvez imprimer également le code donc, qui indique les indications pour se connecter. Donc, ça, c'est pour ajouter. Donc, ici, là, on voit que je n'ai pas d'élèves. Donc, tout à l'heure, je vais m'ajouter comme élève. Là, je vais vous montrer comment on peut faire pour ajouter des élèves. Donc, maintenant, une fois que vous êtes dans votre groupe, vous pouvez créer une nouvelle activité. Donc, soit que vous cliquez ici ou ici, et on va créer une nouvelle activité. Donc, par exemple, si vous avez un projet balado en univers social, par exemple, vous allez créer ici, vous pouvez mettre une date limite de remise. Donc, on va choisir le 28 mai, l'heure, et vous pouvez donner des instructions ici. Donc, on va dire 10 heures
Et là, vous pouvez venir placer des instructions et vous faites publier. Ou encore, si vous n'êtes pas prêt à le publier à vos élèves parce qu'il y a déjà des élèves qui est dedans, vous pouvez l'enregistrer comme un brouillon. Vous pouvez mettre des fichiers joints. Donc, si vous pourriez donner des instructions, un document, des images, un document audio, vous pourriez donner des consignes audio. Vous pourriez également vous-même créer un fichier audio que vous ajoutez. Donc, à partir là, directement de l'outil BendLab. Donc, vous pourriez donner un exemple à vos élèves de ce à quoi ça ressemble. Là, j'ai pas enregistré. Donc, projet balado, univers social. Ma date limite, c'était le 28. Et l'heure, je pouvais mettre des fichiers joints et je peux également créer des groupes au préalable. Donc, équipe 1, équipe 2, et là, les élèves pourront joindre une équipe à ce moment-là. Donc là, je fais publier le travail. Donc, les élèves, eux, ici, vous pouvez toujours venir l'éditer, là. Donc, dans votre classe, vous avez un projet qui s'appelle Projet Balado Univers Social et les élèves, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir cliquer sur ce projet-là. Et ils pourront créer leur projet balado là, et vous aurez accès. Donc, vous voyez ici, là, on voit les progrès des élèves. Vous allez avoir accès à tous les projets des élèves, des équipes, en fait, parce qu'on a créé des équipes et vous pourrez les consulter, voir où ils sont rendus et même pouvoir leur apporter de la rétroaction. Donc, on va voir le côté, qu'est-ce que ça donne là, maintenant. On va aller voir une autre école que j'ai créée. Donc, ici, quand on a des élèves, qu'est-ce que ça donne? Donc là, ici, j'ai créé primaire et j'avais fait un projet balado élève. Donc, vous voyez, j'ai deux élèves qui sont là et je vois qu'il y en a un qui est en progrès et l'autre qui lui a été assigné, mais il n'a pas encore été le voir. Donc, par exemple, si je viens voir Corinne Gilbert, élève ici, qui est en progrès, si j'ai trois petits points, là, je peux voir la solution. Je peux l'ouvrir directement dans le Mixed Editor. Donc, c'est l'option ici là, qui nous permet de créer. Donc, je clique sur Corinne et je peux voir son projet qui est là. Donc, je peux l'écouter. Donc, c'est pas quelque chose de très élaboré. Donc, vous voyez, c'est pas très agréable à écouter, mais vous pourriez aussi l'ouvrir dans l'éditeur. Ici et venir jouer avec, là, faire des modifications. Donc, ça, je vais vous le présenter dans une autre capsule, là, comment on s'approprie l'univers de création. Donc, si je reviens en arrière, je peux également venir placer, ajouter de la rétroaction à mes élèves. Et ce qui est intéressant ici, c'est que quand on vient dans ici, quand les projets seront terminés, évidemment, il sera possible pour vous, là, en tant qu'enseignant, de venir télécharger le fichier final pour pouvoir les placer sur une plateforme comme Anchor, par exemple. Donc, ça, c'est possible, directement à partir. Donc, vous aurez accès à tous les projets de vos élèves ici. Ensuite, donc, je vois Corinne. Je peux chatter avec, je peux lui envoyer les solutions. Donc, ça, c'est son travail ici. Et je pourrais créer à partir d'ici des groupes. Donc là, vous voyez, tantôt, j'en avais des groupes. Là, je pourrais assigner mes élèves dans différents groupes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que une fois que vous avez créé votre classe, votre groupe, donc le groupe 501, ben, vous pouvez ajouter vos élèves, là. Vous pouvez demander à vos élèves qui s'ajoutent. Donc, quand vous allez créer vos groupes, vous pourrez les placer là, automatiquement dedans. Donc, par exemple, si je crée une nouvelle activité ici, nouvelle activité, je vais choisir la date limite. Donc, ça, c'est la différence quand j'ai déjà des élèves. Et je crée un groupe. Là, j'ai déjà créé groupe 1, équipe 1. Ça, c'est déjà un groupe, là, donc je pourrais dire Corinne fait partie de cette équipe-là et
pédagogique également. Je pourrais ajouter un groupe. Et là, j'ai plus d'élèves, là, mais je pourrais, donc, voyez ici la différence quand j'ai déjà des élèves, c'est que je les ajoute, là, directement. Donc, la manipulation d'ajouter vos élèves avant de créer le devoir, là, ça peut être intéressant si vous voulez faire les équipes. Puis, à partir de là, ben, les élèves peuvent travailler, là, avec un responsable d'équipe, sans problème. Donc, je publie. Et là, vous voyez, j'ai déjà des groupes. Je peux les éditer et je peux les supprimer. Donc, ça, c'est à vous de voir, là, mais sinon, vous pouvez tout simplement créer l'activité et un élève responsable se branche avec son compte et vous aurez, plutôt que de voir des équipes, vous verrez à ce moment-là le nom de la personne, mais ça peut être facilitant, là, d'avoir des groupes parce que peu importe si un élève est absent, là, bien, il n'a pas à se connecter avec le compte de l'autre, il a également accès, là, à cette équipe-là puis à l'activité à ce moment-là. Donc, sinon, j'ai fait le tour. Donc, ici, là, j'ai mon groupe à moi. J'ai créé des activités. Je peux en avoir plusieurs. Ce qui me reste à vous montrer, là, c'est que ça communique directement. Vous pouvez partager, là, si vous travaillez avec Classroom, puis que vous avez créé un projet balado, vous pouvez le partager à vos élèves. Vous créez un devoir, là, directement. Donc, partager dans Google Classroom. Et à partir d'ici, on vous demande de choisir votre cours et choisir d'élaborer un devoir, poser une question, faire une annonce, créer un support. Donc, à ce moment-ci, on élabore un devoir. Et là, on peut venir éditer. On se retrouve dans l'univers de Google Classroom. On peut venir éditer, le classer au bon endroit dans nos devoirs. Donc, si je viens le placer dans Rétroagir, donc, je fais publier le devoir. Et à ce moment-là, je peux faire afficher. Et je vois que dans mes travaux et devoirs, j'ai mis le projet balado élève ici. Et ce que les élèves voient, donc afficher le devoir, ils vont voir le lien. Je pourrais voir ici les travaux là, des élèves. Et quand je clique dessus, bien, ça mène directement au projet dans la plateforme et là, les élèves pourront venir créer à ce moment-là. Et l'autre chose, c'est que ici, à partir de là, maintenant, je peux venir le supprimer, là. Donc, c'était le dernier bouton qui me restait à vous montrer, le supprimer ou l'enlever. Donc, si jamais vous avez terminé, faites unpublish. Donc, à ce moment-là, il s'affichera plus dans la liste des travaux des élèves. Alors, sinon, il me restait à vous montrer, vous pouvez avoir une librairie personnelle, donc vous pouvez aussi créer du contenu en tant qu'enseignant. Donc, ici, vous pouvez faire un projet, donc vous-même, donc c'est possible, même en ayant la plateforme éducation, de venir créer vos propres projets également comme enseignant. Donc, voilà, je pense que j'ai fait une belle tournée de ce que c'était BendLab pour éducation du côté enseignant. Maintenant, je vais venir vous faire le tour de l'outil de création là, quand nous sommes élèves ou encore enseignants. Donc, visionnez la capsule numéro 2. Bonne journée!